Bonsoir, bonsoir. Je me réjouis de vous présenter ce soir des photographies qui sont directement le fruit d'une initiative qui fut celle d'un entrepreneur de presse extrêmement inventif, imaginatif, audacieux. Il s'appelait Pierre Lafitte, qui en 1910 décida de créer un quotidien intitulé Excelsior, un quotidien qui avait pour particularité, la technique du temps le permettait, d'avoir exclusivement des photographies en première page. À telle enseigne qu'il a été amené à recruter un petit groupe, une petite pléiade de photographes de métier qu'il employait à plein temps et qui avait pour vocation d'aller trouver la trace, d'aller fixer pour les lecteurs tous les événements d'importance dans l'ordre social, dans l'ordre politique, dans l'ordre économique. Ce qui fait que quand la Grande Guerre a éclaté, Excelsior avait à disposition, plus que tout autre de ses confrères, des photographes capables de donner à connaître et à fixer, les événements de la guerre, en particulier à l'arrière, en particulier du côté des civils. Voilà le journal tel qu'on pouvait l'acheter tous les jours dans les kiosques. Et pour commencer, je voudrais vous donner à voir le retour de M. Poincaré. Trois images seulement qui précèdent le déclenchement du cataclysme. Vous avez là le président de la République, vous le reconnaissez à son gibus impressionnant, à droite le chef du gouvernement. Ils sont allés en Russie pour vérifier, au moment où on a le sentiment que la catastrophe s'approche, que le tsar est disposé à maintenir, à persévérer dans son alliance avec la Grande-Bretagne et avec la France. Les voilà à la gare du Nord, à Paris. Le conflit éclate au début du mois d'août 1914. Voilà une image de l'affiche ordonnant la mobilisation générale. Les empires centraux d'un côté, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et aussi les Turcs contre la Russie du côté oriental, la France et la Grande-Bretagne. Vous avez ici une image qui est trompeuse. On a l'impression d'une sorte d'enthousiasme. Souvent, on nous a expliqué que les Français se sont rués dans la guerre avec une sorte d'allégresse surprenante. Nach Berlin. En fait, quand on voit une caméra, quand on voit un appareil de photographie, on a tendance à faire les faros, surtout quand on est en groupe. Nous savons aujourd'hui que la réalité a été tout autre, qu'en fait, les Français sont partis en guerre avec une détermination attristé, préoccupé, grave, et le sentiment aussi que là, vous avez le pinard qui parfois rend les attitudes plus faussement allègres. Ils sont partis avec l'idée qu'il fallait défendre la France comme on aurait défendu son champ. C'est une population encore essentiellement agricole. Et on dit au revoir aux familles en étant persuadé que l'on sera de retour peut-être pour la fin des moissons et en tout cas pour Noël. À Paris, l'inquiétude, l'angoisse, les sursauts de nationalisme absurde provoquent le vandalisme d'un certain nombre de boutiques dont le nom fait croire qu'ils peuvent être allemands, ainsi de magie. Firme en réalité, comme vous le savez, absolument suisse.
les premières semaines de la guerre voient l'entrée rapide des troupes allemandes sur le front occidental, violant la neutralité de la Belgique, et elles s'approchent dangereusement de Paris, jusqu'à être à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. C'est à ce moment-là qu'un sursaut de l'état-major, du général Joffre, du général Gallieni, qui est le gouverneur de Paris, permet que la bataille de la Marne repousse les troupes allemandes et les oblige à reculer. Voilà un certain nombre de prisonniers allemands que l'on montre évidemment avec beaucoup de satisfaction aux lecteurs français pour rasséréner leur ardeur et leur patriotisme. Vous avez là les premiers fils de fer barbelés qui ont été empruntés aux agriculteurs d'outre-Atlantique. On montre encore là des prisonniers allemands qui sont en fait peu nombreux. Vous avez là un certain nombre de mouvements de troupes à l'arrière. Plutôt, on commence de voir comment la manière dont on s'installe dans la guerre. Mais les photographes d'Excelsior ne vont pas au feu. Ils ne vont pas jusqu'au devant des troupes. Ils se contentent de donner à connaître des mouvements en arrière du front. Mouvements ou non-mouvements. On utilise aussi les autobus. À l'automne, vous savez que la guerre de mouvement laisse place à la guerre de position et que ce que personne n'avait prévu, les troupes adverses viennent s'enfoncer dans la terre depuis la frontière suisse jusqu'à la mer, un long chemin sinueux de tranchées dont Excelsior commence de donner une idée. Nul, en vérité, n'avait prévu cela. À l'arrière, progressivement, on voit se multiplier les images des deuils, des corps brutalisés, amputés, ravagés. Cette petite fille a perdu une jambe du fait d'un obus qui a été lancé sur la capitale et on lui prête ce mot en vérité grandiloquent, je fais le sacrifice de ma jambe à la France. Je ne sais pas si ce sont les journalistes qui l'ont inventé. Le journal dissimule la brutalité des combats, mais non pas ses effets. Les blessés, amputés. Voilà le quotidien désormais des lecteurs d'Excelsior. Les photographes du journal visitent beaucoup les hôpitaux pour montrer les blessés, mais surtout les médecins et la tendresse des infirmières. Celle-ci, qui est spectaculaire, cette bonne sœur, a été décorée du côté de Guebwiller pour la vaillance de sa résistance à l'ennemi. Voilà un parterre de héros rassemblés au Trocadéro, le 1er mai 1915, toujours en présence du président Poincaré. Et ici, c'est Édouard Herriot, maire de Lyon, qui accueille d'autres vaillants combattants blessés.
le journal s'intéresse aussi à l'effort pour soigner les chevaux. Il faut savoir qu'il y avait des centaines de milliers de chevaux sur le front et que beaucoup ont été blessés ou tués. Alors on les soigne, c'est ce qu'on appelle la Croix Bleue. Les vétérinaires aussi sont au travail. Et puis voici le temps des cimetières qui apparaissent de façon multiforme à la première page d'Excelsior. On dirait le début d'un film de Mickiewicz. Comme les Allemands ont reculé et laissé un certain nombre de morceaux du territoire derrière eux, les autorités, l'état-major organisent des voyages de presse pour les photographes. On dirait aujourd'hui qu'ils sont embedded. Alors on leur montre les paysages délaissés par l'ennemi, qui ont même abandonné leurs obus derrière eux. Naturellement, cela figure la barbarie des adversaires. Simplement les horreurs ordinaires de la guerre. Alors là, nous sommes à Reims. La cathédrale de Reims a été fortement endommagée par les Allemands. C'est le début d'ailleurs de la gloire d'Albert Londres, qui échappant à l'emprise de l'état-major, est allé seul assister à son bombardement et en a fait un article qu'il a d'un coup rendu fameux. Voilà le préfet Mirmand de Meurthe-et-Moselle avec des petits-enfants d'un territoire provisoirement libéré. Ici, il s'agit d'un pont qui a été volontairement détruit par les Français pour ralentir l'avance des Allemands. Et en voici un autre. Le courrier est essentiel pour le moral des troupes. On a envoyé pendant cette guerre des milliards de lettres. Les commissions de contrôle postal, d'ailleurs, ouvrent toutes les lettres vers l'étranger, une bonne partie des lettres vers l'intérieur, pour pouvoir donner aux dirigeants ce que peut être la teneur du moral des troupes. Distribution du courrier. Il y a aussi les colis de Noël. Et quand on a un peu de répit derrière le front, alors on va donner un coup de main aux paysans dont les champs ont été bouleversés par les attaques adverses. Voilà. La guerre dure, ce que personne n'avait prévu. On passe par conséquent des munitions en stock à la nécessité de flux. Et la guerre devient industrielle. Il n'y avait guère eu au XIXe siècle que la guerre de sécession qui avait pu avoir cet aspect. Et voilà comment on met les femmes au travail pour fabriquer des obus. Thank you.
Ces images rassurent les lecteurs, bien sûr. La France sera armée. Ici, on nous montre des petites filles, des jeunes filles qui nettoient des douilles pour qu'elles soient réutilisées. On est au Havre. C'est aussi le temps où on invente le casque métallique, le casque Adrian, qui vient remplacer les calots, les képis, et sauve beaucoup de vies. Les malheurs viennent parfois de l'intérieur aussi. Voilà l'explosion d'une usine de grenades à Paris. On est rue de Tolbiac. Et voici les obsèques des victimes à Notre-Dame. Voici Albert Thomas. Albert Thomas, ministre socialiste de l'armement. Il vient haranguer les ouvriers pour leur rappeler leurs devoirs patriotiques, en particulier ceux qui ont quitté le front pour revenir dans les usines. Excelsior, bien sûr, insiste sur la fraternité des combattants et des pays alliés. Je pense que cette loi suffit à vous indiquer qu'il s'agit des Français et des Britanniques et qu'on est à Noël. Les Anglais. Et voici les Russes qui, tout en se battant sur le front oriental, ce qui est très important du point de vue français, envoient un certain nombre de combattants un peu symboliques pour combattre aux côtés des Français et des Anglais sur le front occidental. Ils intéressent la population. Excelsior montre énormément le président Poincaré, en train de décorer, en train d'honorer, en train de saluer les victimes et de consoler leurs familles. Et ici, je vous présente Maurice Barrès, grand écrivain nationaliste, celui que Romain Rolland appelait le rossignol du carnage. Canard Enchaîné préférait le définir comme le chef de la tribu des bourreurs de crâne. Il écrivait chaque jour dans l'Écho de Paris un éditorial extrêmement belliciste. Le deuil est toujours le deuil. Voilà les obsèques du général Gallieni, ministre de la guerre, qui était gouverneur de Paris en 1914 et qui a contribué, en faisant avancer les taxis de la Marne, à faire refluer l'adversaire. Le deuil est toujours le deuil. Et puis Excelsior aime à montrer des personnalités symboliques. Il s'agit ici d'Émilienne Moreau, qui a abattu 4 soldats allemands à l'arrière des lignes, en zone occupée, avant de s'échapper et de rejoindre Paris. On peut signaler qu'Émilienne Moreau sera résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et sera une des rares femmes faites compagnon de la libération par le général de Gaulle. Tout symbole est précieux. On décide donc de transporter les cendres de Rouget de Lisle, immortel auteur de la Marseillaise. Je remercie ma musicienne de ne pas nous donner du tout d'extrait de notre chant patriotique. Ça serait un peu redondant. On transporte les cendres de Rouget de Lisle aux Invalides. Le silence me paraît un effet bienvenu. Excelsior attache une grande importance, bien sûr, à l'appui des troupes coloniales. Par exemple, ici, aux ceux qui sont venus des Indes britanniques, des hindous, comme on dit à l'époque.
les renforts qui sont venus de l'Afrique noire française sont utilisés largement au front, mais on ne le voit pas dans ces images. C'est la fameuse force noire. En revanche, on les montre venant dans les usines pour remplacer des ouvriers qui ont été mobilisés. On fait appel aussi à des travailleurs venus d'Asie, d'Indochine, on les appelle les annamites, ou encore de Chine. Les Maghrébins sont aussi mobilisés pour la bataille. Voilà un jour où le président Poincaré vient leur rendre visite, d'où l'expression de cette fausse allégresse. On les réquisitionne aussi, je parle toujours des Maghrébins, pour des travaux de voirie dans les grandes villes. Les pouvoirs publics, on le voit ici, se montrent très, très soucieux de respecter les rituels funéraires des musulmans. Et voici Gaston Doumergue, futur président de la République, ministre des colonies, venu s'incliner devant un dignitaire musulman. C'est le moment où on promet à ceux-ci de construire, dans le 5e arrondissement, une grande mosquée, ce qui sera fait dans les années 20. Je vous laisse deviner, non, je vais vous le dire, qui est ce personnage. Il s'agit du roi du Monténégro. Du roi du Monténégro, les Balkans sont au centre de combats farouches entre les Serbes d'un côté, les Austro-Hongrois, etc. Le roi de Monténégro est un allié de la France et de la Grande-Bretagne. C'est le temps où on ouvre un front en Orient et le Excelsior dépêche un photographe envoyé spécial. Du côté de Gallipoli en particulier, de la place forte, c'est là où les Australiens et les Néo-Zélandais se distingueront. Mais le succès est longtemps incertain, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà les soldats en Orient. La guerre devient aussi une guerre aérienne, chose tout à fait nouvelle. Là, vous avez un ballon d'observation. On considère d'abord que les avions peuvent servir à savoir, et ça a été le cas pour la première bataille de la Marne, quel est le mouvement des troupes. On développe ces ballons tels que celui-ci. Apparemment, un photographe d'Excelsior est monté dans le ballon. Et les Allemands ont longtemps fait fond sur leurs zeppelins en pensant que ce serait une arme terrible. En réalité, elle est très fragile et plusieurs sont descendus par des aéronefs ou par des avions ou par même depuis le bas. Le journal laisse entendre qu'il pourrait s'agir là d'un chasseur de zeppelin. Je vous laisse vous en assurer. La guerre est aussi naturellement de plus en plus celle des avions ou des hydravions qui sont en combat aérien et qui viennent jeter des obus sur la capitale. Les Parisiens les observent, les fameux Taube allemands depuis Montmartre. Et Excelsior photographie les dégâts provoqués par les obus qui sont tombés des avions.
Nous sommes ici rue d'Alésia, à Paris. Au malheur de la guerre s'ajoutent les rigueurs de l'hiver de 1916-1917, extrêmement froid. Il faut briser la glace sur la Seine. Certains font, contre mauvaise fortune, bon cœur. On est aux Tuileries. Comme il fait froid, on va chercher du bois dans les bois près de Paris. On a le droit de prendre une branche d'arbre quand elle n'est pas plus grosse que le pouce d'un garde champêtre, paraît-il. Ils ont peut-être un peu triché. Charbon. Le ravitaillement devient un peu difficile, mais beaucoup moins que pour les empires centraux. Excelsior attache beaucoup d'importance à l'entrée des femmes dans la vie active pour remplacer les hommes mobilisés. Elles deviennent par exemple ramoneuses, puisque les Savoyards sont au front. Une porteuse de journaux. Ouvrière, un automobiliste, des garde-voies à la gare du Nord et une autre garde de voie ferrée, conductrice de tram, livreuse des grands magasins du bon marché, mécanicienne et bien d'autres travaux. Excelsior se passionne pour un événement tout neuf, qui intéresse d'ailleurs beaucoup aussi dans les tranchées, qui fait rêver, c'est la grève des midinettes, des cousettes, des grisettes, au printemps 1917 à Paris. Elle réclame la semaine anglaise, c'est-à-dire le samedi chômé. Et comme ce sera le cas en 1936, c'est un moment de liberté, cette grève, une sorte de bonheur. Leur leader vient, celle qui est en tête de leur mouvement, vient apporter une motion aux députés à travers la grille du Palais Bourbon et au pied du chancelier d'Aguesseau, dont on n'aperçoit pas le visage. Le journal propose aussi un certain nombre de photographie d'enfants faisant la guerre, qui renvoie évidemment à la très belle exposition des photographies de Léon Guimpel que vous avez vues ou pouvez voir aux Frères Prêcheurs. Et puis on attend les Américains qui vont permettre, lorsqu'ils entrent dans la guerre, de faire changer le sort des hostilités. Et voilà, ils arrivent. Ils sont glabres, ni moustache, ni barbe, ce qui surprend beaucoup les Françaises.
Ils arrivent vraiment. Et ici, en présence toujours du président Poincaré à gauche, vous trouvez le général Pershing, chef de l'armée américaine, celui qui s'est écrié en mettant le pied sur le sol français, « Lafayette, nous voici !» Toujours les Américains, fort appréciés. Pétain avait dit « On attend les Américains et les chars », alors voici aussi les chars. Les uns et les autres vont permettre que 1918 soit l'année de la victoire. Mais l'or aussi est mobilisé dans de grands emprunts de la défense nationale. Excelsior et ses photographes s'intéressent beaucoup au sport, à la gymnastique, aux activités physiques. Voilà, vous rappelez que Jacques Chirac avait dit au début de son mandat, de premier mandat de maire de Paris, qu'il nagerait à la fin dans la Seine. Il ne l'a pas fait, mais eux l'ont fait. Nous arrivons en 1918, l'année où le sort de la guerre, je vous le disais, va changer. Ça, c'est la dernière, j'allais dire promotion. Ce sont ceux de 1919, la classe de 1919. Et à mesure que les Allemands reculent, ça, ce sont des photographies du côté de la Somme, du côté du front britannique. Les positions antérieurement occupées par les Allemands sont reconquises par les Anglais. Et voilà les effets de la guerre sur les territoires. Observez bien cette photo, c'est le seul cas, c'est la seule photographie dans cette immense richesse de clichés sur verre, c'est la seule qui montre un cadavre. C'est un cadavre allemand. Pour le reste, censure généralisée et auto-censure des photographes. Il est vrai, comme je vous le disais, qu'ils ne vont guère eux-mêmes en première ligne sur le front. Un Anglais dans un paysage dévasté. À Paris, on montre un canon capturé aux Allemands. C'est un de ces canons à très longue portée qui sont inventés à la fin de la guerre et qui viennent menacer en particulier Paris. C'est la célèbre Grosse Bertha qui peut lancer des obus depuis plus de 100 km sur la capitale. Alors, on aménage des abris. Le tambour vient dire à la population qu'il faut s'y réfugier, ce que ne manque pas de faire la troupe de la Comédie française. La voici. Et on protège les monuments de la capitale avec des sacs de sable. Voici l'effet d'un obus, ils sont de plus en plus puissants. Je ne sais pas très bien comment cette voiture est tombée dedans. Et voilà encore un hôpital avant et après. Et puis survient la grippe espagnole pour
apporté de nouveaux malheurs. Vous savez qu'il y a des centaines de milliers de morts dues à cette épidémie. Parmi eux, Guillaume Apollinaire et Maurice Rostand en France. Alors on essaie d'inventer des manières de s'en protéger et d'en faire la pédagogie. Novembre 1917, la France se donne un gouvernement d'autorité, un gouvernement qui est sous la direction de Georges Clemenceau. Le voilà. Il n'a pas souhaité le pouvoir, il l'a craint beaucoup lui-même, comme il l'a dit, mais Poincaré, qu'il ne l'aimait pas, finit par l'appeler et il donne à la conduite de la guerre une détermination qui n'était pas le fait de ses prédécesseurs. Et puis il a un sens, comme on dirait aujourd'hui, de la communication. Il va dans les tranchées, et voilà, avec le général Pétain. Il est très populaire auprès des poilus. Et pour lutter contre le défaitisme, il engage des procès contre tous ceux qui peuvent être coupable de complaisance envers l'ennemi. Ici, c'est franchement un traître, c'est Bolo, Paul Bolo, dit Bolo Pacha, qui avait reçu de l'argent allemand pour corrompre des journaux français. Il essaye de se défendre, mais il va être fusillé. Et voici Joseph Caillaux, ancien président du Conseil, ancien ministre des Finances de Clemenceau en 1906, qui est accusé de faiblesse envers d'éventuelles négociations avec l'ennemi et qui lui aussi connaît la prison. Tout ça marque surtout la volonté symbolique de Clemenceau de signifier qu'on n'a aucune complaisance et qu'on va conduire la guerre jusqu'au bout. À la mi-1918, on commence de sentir que la victoire est possible. Les Américains sont fêtés, tout particulièrement à Paris. Les Belges le sont aussi lors de leur fête nationale, les Belges exilés de leur pays martyrisé. Les images suivantes sont celles de la victoire, le 11 novembre 1918. Beaucoup de ces images montrent à la fois l'exaltation du succès et le chagrin du deuil avec des femmes qui sont en noir. Georges Clemenceau et Raymond Poincaré, président du Conseil, président de la République, vont se rendre dans les provinces recouvrées qui étaient séparées de la nation depuis 1871, ici en Alsace. Vous remarquez la statue du Kaiser qui a été mise à terre. Nous sommes sur le pont de Kiel avec le retour d'un certain nombre d'Alsaciens lorrains qui avaient été engagés, qui avaient été mobilisés de force dans l'armée allemande. Voilà des prisonniers allemands qui sont utilisés comme monnaie d'échange au moment de négociation d'armistice. Et puis c'est le temps de la démobilisation. Et voici le costume offert aux soldats démobilisés. À droite, vous remarquez un futur mobilisé de 1939. En février 1919, le président du Conseil, Georges Clemenceau, est victime d'un attentat. Il sort de chez lui rue Franklin, prend le boulevard de l'Isère, et un anarchiste nommé Cotin tire à travers
tire à travers la vitre. Le voilà d'ailleurs, l'anarchiste Cotin. Il blesse Clémenceau, qui gardera toute, jusqu'à sa mort, une balle près du cœur. Et voilà le vaillant sergent de ville qui a arrêté l'anarchiste Cotin. Quant à Clémenceau, il ne supporte pas de rester longtemps chez lui. Quelques jours plus tard, il se remet au travail pour le traité de Versailles avec seulement cette remarque: je n'avais jamais été assassiné, c'est une expérience nouvelle. Et le traité de Versailles, le voici. Clémenceau, avec à sa droite le président des États-Unis, Wilson. Ils ont beaucoup débattu pour définir le traité de Versailles. Clémenceau disait de Wilson: je l'aime bien, mais il plane au-dessus des faits qui ont l'inconvénient d'être. Quant à Wilson, il trouvait que Clémenceau était trop gravement réaliste jusqu'au cynisme. Nous sommes maintenant à Versailles, le jour de la signature, à la fin de juin 1919. Ici, les poilus qui vont venir symboliquement dans la galerie des glaces au moment où les plénipotentiaires allemands, les voilà, sont accueillis par les chefs de gouvernement français, britanniques et américains. Et voici le traité de Versailles fixé, croyait-on, pour l'éternité. Je vais maintenant vous conduire le 14 juillet 1919, le premier 14 juillet de la victoire, qui va revêtir bien sûr un éclat tout particulier. Excelsior aime à nous en montrer tous les préparatifs. Charrettes accumulées, ce n'est pas une sorte de, on dirait déjà armant, mais enfin non, ce n'est pas ça. C'est pour montrer symboliquement le désordre où on a conduit l'adversaire. Et puis on bâtit sous l'Arc de Triomphe, là où sera plus tard, deux ans plus tard, le soldat inconnu. On bâtit un cénotaphe majestueux qui sera ensuite déplacé à travers la ville. Voilà. Et vous reconnaissez à droite le maréchal Joffre, à sa droite le maréchal Foch, et derrière le général Weygand, très populaire, très applaudi. Et bien sûr les Américains. Les Lorraines. Très vite, la vie reprend, en particulier avec une grève dans les transports parisiens. Voilà un leader de la CGT en train de haranguer ses camarades dans un meeting en plein air. La vie reprend aussi à Longchamp avec le prix de Diane et ses élégantes. Voilà, je n'ai plus que vous donner un bref aperçu du trésor que constituent ces milliers de plaques de verre du journal Excelsior. Et j'ai choisi de terminer sur cette photographie-là. Peut-être y trouverez-vous comme moi une sorte de, comment dire, une étrange placidité enracinée dans la longue durée. Ces deux personnages me serviront à vous remercier de votre attention, à quoi j'ai été très sensible. Thank you.
Jean-Noël Jeannet, merci beaucoup. Merci d'avoir pris ce rôle ce soir.